La caresse, d'habitude réservée aux proches, crée un grave manque quand les proches ne sont pas là. Combien de personnes meurent dans leur chambre, seules, sans personne pour leur tenir la main. Cette caresse sous la joue était inédite et anonyme, sans lien avec une quelconque relation affective. Elle en avait pourtant la densité, c'était comme un geste amical que l'humanité lui faisait par l'intermédiaire de cette infirmière. Une tape sur l'épaule, un sourire nous sortent de notre solitude. Quand je me suis retrouvé dans la salle de réveil, l'infirmière qui m'avait caressé la joue n'était plus là. Ça enchantait encore plus mon souvenir. Ce geste dans ce bloc opératoire était inattendu. Il contrastait avec l'ambiance du couloir d'accès à la salle d'opération où il avait attendu allongé sur son brancard. Étant en zone stérile, on n'avait pas pu lui donner une couverture supplémentaire. Il grelottait de froid. Les personnels de cette zone ne parlaient entre eux que de bouffe, de vacances, de problèmes avec les enfants, sans se préoccuper de ses patients à jeun, en instant d'opération, angoissés par leur sort et grelottant de froid. Il avait une amie qu'il trouvait très jolie, mais il ne parvenait jamais à faire une photo d'elle qui rende compte de sa beauté. Être photogénique avait un sens s'il l'avait vérifié à contrario. Elle n'était pas photogénique.
Il s'acharna, mais le résultat était toujours médiocre. Les peintres disent qu'il y a des modèles qui prennent la lumière. Ça voulait dire quoi? Était-ce le grain de la peau, la couleur des cheveux, des yeux? Cette impuissance à photographier la beauté de cette femme était terrible à vivre. Comme c'est terrible à vivre parce qu'incompréhensible qu'il existe des appareils photo qui donnent une ambiance particulière à ce qu'ils enregistrent. C'est mystérieux parce qu'on devine bien des raisons objectives comme le soin particulier de certains fabricants dans l'élaboration de leurs lentilles, mais cela reste irrationnel. Comme cette carte SD du film pris par ma mère sur son lit de mort, enregistré mais inaccessible. La photo capte des choses que l'œil ne voit pas, et du coup l'œil peut être jaloux de les découvrir. Je me souviens de clichés pris par ma fille, grâce à un appareil que son parrain lui avait offert. Sa petite taille, elle avait 5 ans, et son inexpérience faisait que les photos qu'elle prenait étaient une vision du monde inhabituelle. Pour un simple problème de taille. C'est vrai que l'on regarde tout depuis sa hauteur. Changer de point de vue. C'est faire un écart considérable. Regarder de plus haut, de plus bas. Faire comme les peintres. Cligner les yeux pour perdre le détail des choses qui masquent les formes en entretenant entre elles des relations faussées par leur utilité. Le peintre, en rétablissant le chaos des choses, en fait, réorganise le monde dans une autre vérité. L'objectivité est un travail. L'artiste déconstruit ce que nous projetons sur le monde pour retrouver l'innocence du regard du premier jour, celui qui en forêt ne connaît pas le nom des arbres, peut jouir pleinement de sa promenade. Quand Cézanne peint sa mère, quoi de plus chargé pour un homme que de dessiner sa maman? Pourtant, les vêtements qu'elle porte ce jour-là, le gros fauteuil rouge dans lequel elle est assise, le papier peint du mur, semble avoir la même importance qu'elle dans le tableau. Même le visage de sa mère semble subalterne dans cet assemblage de matières textiles. Et pourtant, quand elle se lèvera en voyant le tableau, elle ne devra pas gifler son fils de peintre. Cézanne a remis définitivement sa mère dans le monde. Il a peint la continuité de la peau avec celui des objets. Et en voyant ce rapport étroit entre la personne et ses choses inanimées, nous n'avons pas à avoir peur du silence infini de l'espace dont les limites reculent jusqu'au vertige. Le fauteuil
fait partie de l'âme de Anne-Elisabeth Cézanne. Et au-delà du fauteuil, sa maison, le jardin, la Sainte-Victoire, l'Europe, le monde, le cosmos constituent l'infini train de cette femme.